Bon, ben je vais tester Hades, bien en retard par rapport à d'autres, mais alors j'ai une petite crainte moi par rapport à Hades, c'est que c'est au niveau de la gestion de la souris, de la manette. J'ai peur de pas être capable de, enfin de pas le faire correctement. Bon ben non, pas mode infernal. Je vais faire un truc normal. J'espère que... Are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Oui, je disais, si par exemple il faut utiliser le deuxième stick pour tirer, je n'aime pas. Il y a un jeu auquel que j'aurais bien aimé mais que j'ai pas joué parce que il fallait utiliser le deuxième stick en même temps et voilà, ça c'est le dash. D'accord, je balance des trucs. Coup d'épée. Donc, j'ai regardé des fois MV jouer à ce jeu-là, mais sans approfondir. Donc, c'est une découverte à peu de choses près, c'est une découverte pour moi. RB. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est du tutoriel ça ou... C'est quoi ça? C'est une guêpe? Alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Grèce antique. Je suis pas un grand connaisseur de mythologie, mais bon, je connais deux trois trucs quand même. Ouais, de toute façon, la mythologie, il n'y a pas qu'une version, il y en a plusieurs. C'est pas quelque chose de fixe. Enfin, RB, alors je sais jamais. Celui-là. Oui. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Alors je me demande si le son est correct. Appuyez sur X ou maintenez enfoncé pour utiliser votre attaque principale. Ok, donc il faut que je choisisse. Bon, bah je vais voir ça. Renvoie, vous retournez les attaques de vos ennemis contre eux. Oh, ça c'est... Ok. Alors je vais regarder, j'ai l'impression que le son est pas très... Je vais le mettre à 50, volume principal. Non mais comme moi je parle pas très fort en ce moment, je vais pas mettre trop fort là. Ok, on va voir ce que ça donne. Là, je préfère y aller à la souris parce que j'ai peur de. Je vais pas retomber sur. Enfin, peur. Pas une. Ce serait pas dramatique non plus.
Bon, je suppose que la... Oh, ben. Ah bah oui, je vais renvoyer le... son projectile. Merde. Je me demande si ça fait des dégâts ou... Oh. Ah. Je me demande si les... Ah, oui, ok. Je savais que c'était des pics, mais je voulais voir quelque chose. Et bah, j'ai vu. Et ça m'a pas plu. C'est quoi ça, une clé récoltée? Oui, les espèces de trucs là qui, quand je passais dans leur zone de détection, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ça faisait un cercle rouge là. Je me demande si ça fait des dégâts aussi aux autres bestioles. Enfin, ou ça, si ça fait que des dégâts qu'à moi. Ah mais... Faut pas que j'essaie de renvoyer les projectiles, il faut que ça se fasse par hasard éventuellement. Parce que j'ai pas encore le... Et je sais même pas si je l'aurai. Un petit peu le son des voix. Non, des voix. Ah! Voilà. On va voir ce que ça donne après. Alors là, j'ai deux... J'ai mal, je ne peux pas me soigner, mais je peux encore me battre. Continuer. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, il y en a un qui a une clé, je me dis que... Ben, une clé, c'est plus important. Est-ce qu'il y a des trucs comme dans Zelda, dans les amphores, là, enfin, dans les jarres? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait éclater ou? Ah non. Mais bouge. Ah oui, je m'en suis pris plein le cul. Ah oui, non mais là, je suis rempli. D'accord, donc... Bon, tu viens, toi? Ah oui, c'est vrai, on peut passer par au-dessus du vide. Qu'est-ce que ça fait, les... Ok, frappe divine. Ça, c'est... ça me rapporte quelque chose, ça? Ou c'est juste un rappel de... Non, j'ai rien, là. Chambre 5... Un cœur de centaure. Okay, ça me... Ah, ça me donne 25 points de vie max en plus. Et ça me soigne, enfin non, ça me soigne pas, les 25 points sont à la fois en plus sur le maximum et puis sur... Ok. Uh-oh.
sort who I dwell. Ah d'accord, mais ils ont deux barres de, ils ont deux barres de vie. Alors là. Voilà. En voilà deux. Anyone else? Oui, ben je m'en passerai bien de quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Technique divine est plus puissante. Bah, c'est ce que j'ai là. Il me l'a proposé deux fois. C'est marqué rare et il me l'a proposé deux fois. Tir de phalange, je sais pas ce que c'est. Démarche assurée. Les pièges vous infligent moins de dégâts, ça je m'en fous parce que je ne compte pas me faire avoir par les pièges. Donc, je vais reprendre celle-là. Par contre, j'aimerais bien que, comme dans Isaac, il balance des cœurs un peu partout. Witches. Ah, oui, bah, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que je ne me. Je ne me ferai pas piéger. Je fonce avec le dash sur le. Sur les projectiles et puis ça les renvoie directement. C'est vraiment. Il n'y a pas besoin de viser. Ah, je sais pas si les autres se les prendraient sur le chemin. Des enfers. Ah merde. Une seconde, il faut que je vérifie quelque chose. Voilà. J'avais pas changé le titre du stream. Donc maintenant c'est bon. Oula. Bon ben. Non. Bon, j'aimerais bien trouver de la vie un peu. Ah ouais. Aucune issue. Damn it. I'm home. Yes, carry on everyone, don't mind me. Je sais qu'on peut discuter avec des gens là. Welcome to the House of Hades where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad though, pretty much everybody dies sometime. Some of us more than others. Back already? Stupid boy. I told you nobody gets out of here whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed.
What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Et je sais qu'on peut caresser le Cerbère. Attends. LTC. There's a good boy. Ah. The dog has enough troubles of his own. Here, boy. Just as long as one of your three heads enjoys these pets. Ah, il le fait que sur la même. Est-ce qu'on peut aller voir les autres? Non. Ah ouais, non, mais c'est sur la même. Ok, bon, il apprécie. Et on peut lui parler alors, apparemment. Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Oh, il y a des nonos là, on peut pas lui donner. You've returned. Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Non, la peur n'est pas pour les faibles. La peur, c'est une émotion fondamentale. The House of Hades. That dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not just to him, but to his willful progeny. C'est indispensable, la peur. No time to rest. Bah, et tu me proposes de me reposer, puis après tu... Oui, la peur, c'est fondamental. Faut qu'on ait peur de certaines choses, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas affronter sa peur. You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nyx. I'm grateful that. Ah merde, j'ai pas lu ce qu'elle a dit. I know you took a considerable risk in reaching out. Okay. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Alors il faut que je fasse une chose. Attendez. Voilà. Voilà. Désolé, j'avais mis le stream. En même temps que je stream, donc c'était inutile. Can't do that. What is it that you're trying now to do? Hey, Room, I'm back. Servez-vous du miroir pour gagner en puissance. Et comment je fais? Night and darkness guide me. Présence sournoise. Qu'est-ce que ça fait ? Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez vos ennemis par derrière, plus 10 par niveau. Vitalité ctonienne. Restaurer une petite fraction de votre vie lorsque vous quittez une chambre, plus 1 par niveau. Ça me plaît bien ça, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de... Bon ça je peux pas, mais je vais prendre la restauration de vie. Parce que... Ils sont assez radins. Feel different. Sois assez radin sur ça, donc okay. Utilisez vos clés
Est-ce que j'en ai des clés? Apparemment, j'en ai deux. Bon, de toute façon, il faudra bien les prendre. Hein. Corona. Virus. Maintenez, puis relâchez X pour tirer. Ouais, ok. Appuyez sur Y pour tirer un barrage de... Ah ouais. Relâchez X au clignotement pour un tir puissant. Ouais. Ah non, donc c'est pas validé. Le clignotement. À quel moment ça clignote? Ça? Ben... Oui, bah ta gueule. T'es là pour ça. Oui, mais j'ai pas bien compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc normalement, j'ai dashé, puis j'ai... Attendez. Non. Je sais pas comment je l'ai fait. Moi, je sais pas. De toute façon, tant pis. Ça viendra certainement en cours de route. I can do this. I'll figure something out. D'accord, ça fait le tiers des dégâts. 1 ou 10. Pourquoi des fois c'est 20? Surtout que j'ai pas le choix de au moment où je du moment où je lâche les flèches. Parce que c'est à chaque fois que j'appuie. J'avais l'impression qu'il a fait 20 comme dégâts. Non, bon. J'ai dû me tromper quelque part. My escape route's in the courtyard I just left. Bon alors. Par où on rentre de nouveau dans le donjon? C'est pas là, non? Est-ce que je dois parler à... Il va pas m'aider puisqu'il veut pas que je sorte. Parce que j'ai bien compris, Zagreus, le personnage qu'on joue, il veut se casser des enfers et son père, Hadès, ne veut pas. Ah, là il y a une porte. Oui, mais elle est fermée. Qui sait s'il n'y a pas une autre mort, d'autres enfers, et cause de décès, vieillesse. Ok. Mais ça m'avance pas. Est-ce que... La logique voudrait que ça soit par là. Je trouve ça assez logique. Ah, voilà. C'est vraiment lui? Ok, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Bien le bonjour, jeune homme. Écoute, ton père a toujours eu mauvais caractère, et cela fait bien longtemps qu'il ne nous a plus donné de ses nouvelles. Tu auras une bien meilleure vie sur l'Olympe, ta vraie maison, et pour t'aider dans ton voyage, je t'accorde ma bénédiction. Zeus, ok. Donc, frappe foudroyante. Votre attaque produit une étincelle lorsqu'elle inflige des dégâts à un ennemi. Dégâts d'étincelle 10. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Dégâts de foudre 30. Tir foudroyant, votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Dégâts de lancer de 50 à 60. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est la technique et l'attaque. Est-ce que la technique, c'est le Y ou le X? Bon, le lancer, je suppose que c'est quand je balance les trucs. Ça m'intéresse pas pour le moment. Bon, je vais prendre celui-là. Je ne sais pas. Appuyez sur X ou maintenez enfoncé pour utiliser votre arme principale. Appuyez sur Y pour utiliser... Ah, ok, pour utiliser l'attaque spéciale de votre arme. D'accord, ok.
Et ben là, c'est la volée de flèches. Ah bah tiens, je vais peut-être prendre ça. Je vais peut-être prendre ça. Parce que je vais peut-être l'utiliser pas mal. Oh oui, je vais essayer. Lord Uncle Zeus, Donc, lending his support. c'est ça normalement, Never hein. thought I'd see the day. Or Le soutien de mon wait, oncle Zeus, whatever. jamais je n'aurais cru y avoir droit un jour, quel... Ah, en plus, ça nique les projectiles. D'accord, ça n'aime pas non plus les trucs comme ça là. On peut les déclencher juste par les flèches. Pour l'instant, ça se débrouille pas mal les volées de flèches comme ça là. Bon, je sais, j'ai encore pas ma réponse. Il y a des trucs dans les jarres là. Ouais, ils prennent bien des dégâts dans ces trucs-là. Est-ce qu'ils peuvent se prendre plusieurs flèches? Quand on les prend comme... Vu qu'ils sont gros, je sais pas à quoi ils ressemblent. C'est quoi? Une flèche divine. Acceptée. Je ne connais qu'une seule archère divine. Enfin non, j'en connais plusieurs en fait. Bref, au nom d'Hadès Olympe, j'accepte ce message. C'est Diane, normalement, une archère divine? Ou Artemis? Je sais jamais si Artemis est... Attends. Ah bah Artemis. J'ai entendu parler de toi. Écoute, je ne suis pas comme les autres sur l'Olympe. Le pouvoir de la chasse me tient compagnie. Peut-être qu'il t'aidera, toi aussi. Alors, frappe mortelle. Votre attaque est plus puissante de 15... Il y a 15% de chance d'infliger des dégâts critiques. Votre assaut inflige plus de dégâts. Et tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques. Probabilité de coup critique plus 2%. Votre assaut, appuyez sur X pour vous élancer, puis enchaînez immédiatement avec... Non, sur A... Ah oui, d'accord, c'est un dash plus une attaque. Et là, c'est X. Vous maintenez enfoncé pour... Pour utiliser votre arme principale. Votre attaque est plus puissante et à 15% de chance d'inviter. Ouais, je vais prendre ça. Là, il faut... je maîtrise pas l'histoire du dash là. Est-ce que je... Ah, je prends ça. Voilà, c'est ça normalement. Enfin, en mieux. Je crois que j'ai fait une connerie de. Je crois que j'ai fait une connerie de choisir celui-là. Parce que je n'arrive pas à dasher et... Et j'ai des clés, là? Où est-ce qu'on voit l'équipement qu'on a? Enfin, les... Ah oui, j'en ai une. Et comment ça se... Comment on fait? Il n'y a pas d'autre sortie. Comment... Si j'ai pas de clé, comment je fais? C'est pas possible, ça. Mais ah, j'avais pas vu qu'il y avait un piège là. Donc normalement, j'ai la régénération. J'ai de la régénération sortant du. Alors. Oula.
Non, je me démerde comme un manche, mais casse-toi. Bon, pour l'instant, on va jouer avec les volets de flèches. Ça m'est plus efficace. Une clé ctonienne. Ça pourra déverrouiller autre chose à la maison. Ok. Ils m'ont eu pas le temps de penser mes plaies, je dois avancer. Ah, mais j'ai le truc à lancer aussi, là. Ah, il faudrait peut-être que je le... Il faudrait peut-être que j'utilise ça. Merde. Bon, je suis pas bon, hein. Alors là, je vais essayer de jouer avec le lancer. Bon, je me suis pas trop mal démerdé, mais je l'ai pris, j'ai fait tout le tour et puis je suis revenu le prendre. Alors c'est quoi ça? J'imagine que celui-là était voué à se montrer tôt ou tard. Au nom d'Anès Olympe, j'accepte ce message. Alors c'est quoi? Je dois reconnaître que tu es très combatif. Voilà qui est tout à fait fascinant, bien que peu surprenant venant de quelqu'un né dans les enfers. Sors de là et viens tout me raconter. Moi aussi je suis un adepte de la mort, vois-tu. Sort d'agonie, votre attaque applique l'état maudit. Dégâts de malédiction 5. Votre lancer crée une faille tranchante. Faille tranchante, vortex de métal tranchant, infligeant rapidement des dégâts aux ennemis sur son chemin. Appuyez sur B pour obtenir une attaque puissante à distance. Récupérez vos gouttes d'huile, là, je sais pas comment ça s'appelle, pulsion meurtrière. Ouais, c'est appuyer sur X pour... Vos attaques techniques et lancées infligent plus de dégâts. Bah ça, c'est parfait, ça. En plus, c'est épique. Donc j'imagine que c'est bon. Appuyer sur... C'est quoi? C'est quoi la touche sur laquelle il faut mes bienfaits? C'est ça? Bon, je sais pas. Alors ça, c'est quoi? Bon, ça a l'air différent. Je vais aller regarder. Ah mais non, t'as pas le droit de me toucher. C'est pas du jeu. Je suis pas prêt. Voilà, je... Non, 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 ça va pas, 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 ça. Mais il m'aime pas. Je crois qu'on peut logiquement déduire qu'il ne m'aime pas. Ah, puis lui, je l'ai quasiment pas touché. Ah, je l'ai plus, le... Où il est? Faut que j'aille le chercher là-bas. Non? Où elle est ma bubule? Elle est là. Oula, c'était limite. Alors ça, c'est quoi? Des gemmes récoltées. On n'en a jamais assez à la maison. Bon, alors... je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça, c'est Artemis? La flèche, et puis l'autre, ça serait Arès?
Je ne sais pas. On va aller voir du côté là. Voilà. Ah oui, oh ben d'accord, oui. Il n'y a aucune issue. Aucune, ouais. Stupid skeleton twins. Stupide jumeau. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ah, tu t'es fait tuer par un de ces squelettes bombardeurs décharnés. Trop bien. Je me suis toujours demandé ce qui se passait si on se tenait immobile juste au moment où leur bombe se déclenche. Ah, ça, c'est malin, ça. Vas-y, moque-toi. Il y a quelqu'un au bureau à côté du trône. Hein? Vous avez une sorte d'offre spéciale pour moi, chère ombre. Nouvelle chambre, restaure un petit peu de truc. D'accord. Bon, bah, je vais prendre les deux là, hein, puisque il y en a, celle-là c'est gratuit. Perdez-en la totalité pour un retour express à la maison d'Hadès. Votre total de vie, oui. Travaux autorisés. Une fontaine dans les profondeurs du Tartare m'a l'air d'être une excellente idée. C'est quoi le coffre infernal? Ah, mais arrête de voir, manette de merde. Bon, on va prendre ça, je sais pas. Voilà qui devrait mettre un peu de gaieté dans les chambres en perpétuel mouvement des enfers. Ok, donc c'est bon. Alors, on va faire une petite caresse. Alors, LT, c'est celle d'en bas ou... voilà. Tu n'aimes quand je caresse tes autres... Ah, il manquait un mot. Bon, est-ce que papa, il a quelque chose à dire? Qui est cette ombre larmoyante à ta gauche, père? Ne me dis pas que tu as déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer. Et moi qui me croyais absolument indispensable? Cette ombre, fils, est mon nouveau contremaître, dont la charge est de travailler sur cette maison. Cela dit, qui va payer pour tout ce que mes sujets souhaiteraient voir ici? Je l'ignore encore. Tu essaies de me culpabiliser pour que je finance le mobilier de luxe que tu veux installer ici? Peut-être qu'une fois que les réparations pour tout le carnage que tu as semé dans mon royaume seront terminées, nous aurons enfin le temps de nous consacrer à la montagne de rénovation dont cette maison a besoin. Nice. Ok. Bon, on va aller voir du côté là. Dites Achille, vous ne sauriez pas à qui je dois remercier pour les armes juste devant mes appartements? Non, aucune idée. Mais si je crois cette personne, je ne manquerai pas de la remercier pour toi, mon garçon. Bon, on va aller dans la chambre. Hein. Que les ténèbres te guident, mon enfant. Cette maison est trop petite pour toi. J'en suis maintenant certaine. J'en suis maintenant certaine. Sache que je te protégerai si jamais tu devais revenir ici. Je n'oublierai jamais, Nyx, je te le jure. Donc, est-ce qu'à un moment, ça s'ouvrira, ça? RB, contempler. Présence sournoise. Infligez plus de dégâts, d'attaque et de technique lorsque vous frappez vos ennemis par derrière. Bon, allez hop, on va augmenter ça pour le moment, ouais. The power of darkness. Les appartements du prince Zagreus. Zagreus sont dans un capharnaüm perpétuel, et ce malgré des demandes insistantes et répétées du seigneur et maître de la maison d'y mettre de l'ordre.
come on, it's not that bad. Oh, allez, ce n'est pas si grave, si. Mais j'ai pas, y a pas, il n'est pas censé y avoir un coffre quelque part. Bon. Est-ce que je... Non, je peux pas. Stygius, blade of the underworld, I need your strength. Appuyez sur Y pour faire une attaque Nova. Attends. Voilà, bon, ok. Et on va essayer avec donc cette arme-là. Voir que soif des ténèbres. La valeur des je sais pas, des obsidiennes que vous ramassez a augmenté de 20%. Qu'est-ce qu'il a à dire? T'en as une belle baraque, mon gars. Je m'appelle Tados. Tados, oui. Toi, ça va la vie? Bon, assez bavardé, j'ai un boulot à faire. Alors on y va, donne tout ce que t'as. Je ne me rappelle pas t'avoir embauché, l'ami. Qui est ton responsable? Oh, oh, je vais pas balancer mes sources comme ça, mon gars. Va falloir me tirer les vers du nez. Pas de retour possible. Ben, c'est un peu la règle pour le moment. Tiens, on dirait un marteau de Dédale. Lame tectonique. Votre attaque devient une puissante fente, infligeant 90% de 90 points de dégâts de base. C'est sur X. Votre attaque inflige 200% de dégâts lorsque vous frappez vos ennemis par derrière. Ah ouais, j'ai déjà un petit bonus là-dessus. Votre technique frappe deux fois mais ne repousse plus vos ennemis. Je vais prendre ça. Daedalus, wherever you may be right now, thank you. Je sais qu'il y a une histoire de pêche aussi. Je sais qu'il y a une histoire de pêche, mais alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Ah, je l'ai tapé dans le dos. Dégage, voilà. Ah bah voilà les 20% de plus. C'est 20% ou... attendez. Oui, 20%, oui. Continuez. Ah, le coup sournois c'est pas mal, hein, parce qu'on tape souvent dans le dos. Ça vient de qui, ça? Athéna. Cette Nyx, c'est donc ta mère, si je comprends bien. Nous, les Olympiens, nous ne fréquentons que rarement les dieux chthoniens. Mais c'est elle qui m'a informé de ta situation et m'a incité à agir. Alors, votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Bon, ça, je l'ai eu plusieurs fois. Enfin, je l'ai eu tout à l'heure. La tire de phalange, ou encore. Élan divin, votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. Votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Mais là, dégâts d'élan. Mais là, ça renvoie. Ouais, je vais prendre ça. Alors,
Où est-ce que je vais? Je sais pas à quoi ça correspond là. Il y a pas moyen de savoir à quoi ça correspond ça. Arès, ok, donc espèce de... Ah bah non, vous voyez... oui, c'est une arme avec une petite flèche. J'ai cru que c'était un trident, mais non, c'est pas un trident. Savais-tu, cher parent, que tu as tué plus de 100 ennemis depuis le début de ta quête? C'est la vérité, je le sais, car je garde le compte et j'en suis très impressionné. Sort de douleur. Oui, ça on a vu, pour l'instant je m'en fous. Lorsque vous subissez des dégâts, vous appliquez l'état maudit aux... Non. Rage du combat. Lorsque vous tuez un ennemi, votre prochaine attaque ou technique inflige plus de dégâts. C'est pas top, hein? Votre technique. Bon. C'est toujours 60 dégâts, 60 points de dégâts en plus. La volonté d'en découdre. Des dégalités. Dégage de là. Chaque sortie a sa propre récompense. Ben, c'est quoi? C'est une grenade ça ou une part de pizza? La tarte à la cerise. Ce qui est du gâchis, les cerises ça doit se manger nature. Fraises et cerises ça doit se manger nature. Ça n'améliore pas le... Ah! Ça n'améliore pas le fruit. Je suis un âne et je suis un bourricot. Sort de douleur niveau 1. Oui. Élan divin, votre élan inflige des dégâts. Ouais, bah je vais améliorer celui-là. Hein. Acheter, c'est quoi? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je ne donnerais pas? Ah, moi, j'ai pas pu. Ok. Et c'est quoi ces pièces-là? Comment on les récupère? J'en ai 61. Les pièges affichent 500% de dégâts aux ennemis, durée 6 combats, 3 champs. Obtenez une pierre de plus pour vous lancer. Non, ça me... En cas d'essai, Caron récupère toutes vos pièces et toutes vos ventes sont finales. Ok. Bon, bah tiens, on va. Bon, je vais prendre ça comme ça me donne une possibilité de restaurer de la vie. Est-ce que j'ai une clé? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, le truc par derrière, c'est pas mal. Parce que je lui passe au travers et puis hop, je mets un coup dans le cul comme ça. Pas un grand fan de ça, mais c'est efficace. Enfin, lui, il est pas un grand fan parce que moi, ça me va. Une clé.
Ah d'accord, le truc c'était pas qu'il fallait une clé pour rentrer, c'était que la récompense, ça serait une clé. D'accord. Cette clé peut verrouiller quelque chose à la maison, ok. You're up well past your curfew, boy. Whoops. Ah oui. Est-ce que j'ai intérêt à les buter, les trucs, ou pas? Merde. Ah, encore 19 secondes. Est-ce que ça me rapporte quelque chose de les buter? Maintenant, mon butin. Je suis pas sûr que j'avais un intérêt à... Bah alors, est-ce que je récupère quelque chose quelque part là? Ah, là il y a quelque chose que je peux récupérer. 12. Donc, oh, on va prendre Arès encore. You lads again, huh? Allez, dégage. Ah merde. Ils ont deux barres de vie, les salopards. Réussi à faire une attaque sournoise là. Bon, lui il est presque mort, voilà. Oh merde! Oh, je voulais m'occuper d'un. Oh merde! Bon. Oh, skeletons. Oh salut, je te demanderais bien comment ça s'est passé, mais comme tu es là, bah j'imagine que j'ai ma réponse. Vas-y, entre. Mais il faut qu'il arrête de se foutre de ma gueule, lui. Tu finiras par mieux t'en sortir là-dehors, mon garçon. Malgré tous nos entraînements ensemble, il n'y a rien de tel que se frotter à la réalité. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Attendez, attendez, vous me donnez votre codex? Je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, j'insiste. Je veux que ton amour pour l'histoire s'épanouisse, et pas seulement ton amour pour la guerre. Et puis qui sait, tu resteras peut-être à le terminer. Appuyez sur LB. À quoi ça correspond ça? Alors le stick c'était le... Ah ok. Le stick c'était le fleuve des enfers. Pardonnez cette interruption vous tous. Ben, pourquoi? Petite caresse? Non. How's my favorite boy doing, huh? Comment va mon toutou préféré, hein? Please. Je sais qu'à un moment, ça apporte quelque chose de caresser Cerbère. Mais je sais pas quand, je sais pas comment. En tout cas, il est content. Il pourrait faire une léchotte quand même.
J'en ai pas là, j'ai rien normalement, oui. Oui, mais attends là. C'est quoi là? Ah, bordel. Ah, certaines chambres peuvent contenir un coffre infernal. D'accord. D'accord, j'ai compris. Enfin, j'avais pas compris au départ. Alors, c'était rapide. Alors, fils, eh bien, c'était rapide. Alors, fils, tu n'abandonnes toujours pas? C'est ce que tu voudrais, hein? Heureusement que d'autres membres de ma famille croient en moi. Fais attention en qui tu accordes ta confiance. Mes frères gambattent sur l'Olympe pendant que nous travaillons ici, pendant que je travaille. Et tu es exactement comme eux. Évidemment qu'ils t'aiment bien. Bon. Allez, va voir maman. Attends, examiner. Ce qui était autrefois un petit salon au sein de la maison d'Hadès est aujourd'hui interdit d'accès. Laissé sans dessus-dessous depuis que le Cerbère à plusieurs têtes, en pro des arrois suite à la disparition du prince, a ravagé l'endroit. Cerbère a encore ravagé le salon? J'ai eu des nouvelles de la déesse Athéna à Nyx. On dirait qu'elle t'admire. Je pensais que les Olympiens ne nous appréciaient pas. En général, non. Mais tu fais partie de la famille, mon enfant. Et je... Bah, eh bien, j'ai pensé... Athéna suffisamment sage pour comprendre pourquoi quelqu'un comme moi irait la chercher en particulier. Elle a de son côté... Elle a de son côté informé d'autres membres de sa famille sur ta situation. Vous faites une belle équipe. Pour votre gouverne, ma maison était bien plus belle que ce taudis, cause du décès homicide. Est-ce que je peux faire des améliorations? Alors j'ai 36. Refus de la mort, c'est quoi? Resterez 50% au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à zéro, une fois par niveau. Ah, ça c'est pas mal comme truc ça. Oui, c'est pas mal. Ah oui, 500 pour la prochaine. D'accord. Bon, ben... Oui, c'est pas mal, ça. Y a rien... Ah, je peux acheter ça. Et ça, c'est quoi? Examiner. Il faut plus de clés cnoniennes pour ça. Égide, bouclier du chaos. Ah, d'accord, oui, on dirait, c'est un peu comme Captain America. C'est Captain America, le mec. Ah, il va bien me plaire. Je pense qu'il va bien me plaire. Attends, combien il fait de dégâts? 15. Je pense qu'il va bien me plaire, le... Je pense qu'il va bien me plaire, ce bouclier. Par contre, il fait pas beaucoup de dégâts. L'arme fait pas beaucoup de dégâts en tant que telle. Ça, ça fait 50... Ça fait 50 points de dégâts, ok, bon. C'est quoi, c'est Dionysos, ça? Ce rire, ce bruit des rires, des gens qui font la fête, très bien. Alors, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Ah, Dionysos, oui. Salut, Zag. Comment ça va, mec? Écoute, faut vraiment que tu te dépêches de nous rejoindre. On t'a gardé une place. En attendant, je vais voir ce que je peux faire pour te garder la vie un peu plus facile là-dessous. Pour te rendre la vie un peu plus facile là-dessous. Alors, technique est méchée. Votre technique applique à l'état intoxiqué. Dégâts d'intoxication, 5 toutes les demi-secondes. C'est sur le... Ah oui, ça peut me convenir. Votre lancer devient projectile qui explose dans un brouillard festif. Oh pardon, c'est ma bouteille. Ça... Ah non, le lancer, je m'en sers pas pour le moment. Donc, élan éméché.
Votre élan vous permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué à proximité de votre point de départ. Non, je crois que je vais apprendre ça. Parce que je vais utiliser pas mal le Y. LB. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai reconnu parce que ça ressemblait vaguement à une coupe de vin. Donc c'est pour ça que j'ai deviné que c'était Dionysos. Il aurait pu être Bacchus. Attends. Ah oui, bah ça commence. Et pourquoi c'est pas Bacchus? Bacchus, c'est chez les Romains. Attends. Je sais plus, j'ai un doute. J'ai un doute pour Bacchus. Frappez méché, votre dégât applique l'état intoxiqué. Votre attaque applique l'état intoxiqué. Dégât toutes les demi-secondes. Élan, ok. Attaque. Si votre vie est trop basse après un combat, alors elle est restaurée jusqu'à la valeur seuil. Mais c'est excellent ça. Ça va me restaurer de la vie si il m'en manque. Enfin, mais Bacchus. Attendez, alors là j'ai un doute. Il faut que je vérifie. Un dieu romain, voilà. Non mais. J'étais plus sûr, hein, donc. Pourquoi? Ah, ça le fait au retour aussi, apparemment. Ah non, mais c'est excellent. Ça, il faudrait qu'il fasse plus de dégâts, puis ça serait excellent. Ça serait parfait comme arme. Ah oui, non, mais faut que j'arrête aussi. Hein. Il y a un moment, il faut que j'arrête d'être un crétin. C'est plus facile dans la vie d'être un crétin, mais faut arrêter un moment. Pourquoi ça s'est pas activé? Il faut tirer dedans pour que ça s'active. Ah, par contre, c'est pas drôle si ça nique qu'une seule. Non. Bon, pour l'instant, moi j'ai l'impression d'avoir rien eu dans ces jars. J'étais touché. Là-bas. Alors, ça, le marteau, c'est qui avait un marteau tout à l'heure? C'était qui? Je ne sais plus. Welcome. Ah, la salope. C'est des saloperies des crânes là. Il faut qu'ils arrêtent de me taper, hein. Je suis gentil. Marteau de Dédale, ah oui, c'est Dédale. Charge fulgurante, votre charge met moins de temps à préparer. Votre attaque frappe deux fois mais ne repousse plus vos ennemis.
Votre charge peut effectuer une charge puissante infligeant 500% de dégâts. Ouais, ça c'est pas... Bon allez, tiens, je vais prendre ça. Thanks, Daedalus. Il y en a encore qui viennent. Mais non, mais tu te jettes dans le laser, bordel. Je me suis jeté dans le laser. Bon, là, je vais quand même récupérer un petit peu de... Alors, est-ce que ça, c'est Zeus? Allez, hop. Oh, il m'a redonné qu'un... Ah non, c'était... Attends. Mais... Il a pas voulu se barrer. Refus de la mort. Viens sur le piège, viens sur le piège, viens sur le piège, non? On va jouer le lâche, hein? Ah ouais, non mais là, j'aime pas ça. J'aime pas les crânes. Mode un peu panique là. Ah. Est-ce qu'on est obligé de les prendre, ces trucs-là? Ce bouclier que tu as, Égide, eh bien, figure-toi qu'il m'a jadis appartenu, jeune homme. Je n'en ai plus besoin, bien sûr, et tu devras me dire comment tu l'as trouvé une fois que tu nous auras rejoint là-haut. Alors, frappe foudroyante. Votre attaque produit une étincelle lorsqu'elle inflige des dégâts à un ennemi, dégâts à 10. Votre élan déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Ah ouais, ça me plaît bien, ça. Tout dégât vous infligeant des ennemis des dégâts. Oh, tout ennemi vous infligeant des dégâts est ensuite frappé par la foudre. Ça me plaît bien, ça. Parce que je vais dasher pas mal. Ok. J'ai des fourmis partout. Attends, est-ce qu'il y a une autre sortie? Ah, je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait donné là. Voilà, ok. Bon, ben on va aller là. That's what you get. Ah merde. Ah, il faudrait peut-être que je nique ces... C'est des nids, ça, je sais pas. Ah là, j'ai essayé de chatouiller. Ah, mais arrête de voir!
Ah, je les aime pas ceux-là. Je les aime pas. Je les aime pas. Et en plus, je me suis pas servi de mon dash alors que j'aurais pu. Ah oui, mais je les aime pas ces crânes, putain. Oh, on dirait qu'un de ces petits crânes d'acier t'a mangé tout cru, là dehors, hein? Peut-être que si t'étais pas autant à croquer, il te ficherait la paix. Et moi aussi, tiens. Achille, est-ce que c'est vrai que Cerbère a dévasté le salon juste après mon départ? Il a dû s'attirer tellement d'ennuis. Tu aurais dû voir le résultat, mon garçon. On aurait dit un vignoble après un typhon. Ton père était furieux, mais il ne se fasse jamais trop contre le chien. C'est plutôt Dusa qui est à plaindre. La pauvre est toujours en train de remettre en ordre, de tout remettre en ordre. Oh non, je me demandais ce que devenait Dusa. Elle a toujours peur de se faire renvoyer par père, mais même quand tout va bien. Je ne sais pas qui est Dusa. Hop, une petite caresse. Bon, je vais essayer de lui parler hein, pour voir. Non, c'est l'autre. Oh, ça y est, je vais me tromper de bouton aussi dans ce jeu-là. Comment tu te sens, mon chien? Tu manges bien ces derniers temps? Tes trois gueules sont bien remplies? Bien contentes? Oui, ok. Chacune de ces trois terrifiantes gueules du gardien des enfers répond affirmativement, l'une après l'autre, comme si pour rassurer le prince inquiet. Ok. Non. Je vais pas parler au vieux. Et là, j'ai pas. De toute façon, je n'ai pas de. Je crois que j'en ai pas récupéré des gemmes. Tiens, les Palanix. Ah bah tiens. Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique. Là. Ouais, bah, je crois que je vais valider ça. Parce que le point en plus de dégâts, le point en plus de vie, c'est pas. Là, j'ai pas assez pour m'acheter ça normalement. Donc, est-ce que je continue Captain America ou pas? Ouais. Une petite seconde. Voilà. C'est quoi ça? Time to go. Bon alors ça c'est des dalles. Disque vivifiant. Lorsque votre technique frappe un ennemi, vos deux prochaines attaques infligent 80% de dégâts en plus. Ah, ah non. Ah non, attends. Attends. Ah, plus 80. Oui, c'est bien ce que j'avais lu. J'avais lu que, en gros, je m'étais planté. Je pensais qu'on perdait. C'est-à-dire qu'au lieu d'infliger 100% de dégâts, on n'infligeait que 80%. Vous attaquez, frappe deux fois, mais ne repousse plus trop vos ennemis. Lorsque vous vous élancez, votre technique est plus rapide et inflige 200% de dégâts. Non, je vais prendre ça. C'est le Y et le Y que je vais. Je m'en sers pas mal. Surtout avec le Captain America. Ah mais je me fais toucher par le premier, c'est deux fois je me suis fait toucher par le premier. C'est assez navrant.
Ah, ça fait des ricochets. Ça fait des attaques sournoises aussi, le Captain America. Ne fait pas beaucoup de dégâts quand même. Hein. J'aime bien Captain... Ah, dégage, dégage! J'aime bien Captain America, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Bah alors, ça me donne rien? J'ai rien gagné? Rien... Ah, s'il y a une clé. Est-ce qu'on peut partir sans récupérer ça? J'ai l'impression que non, mais... Non, on peut pas. Ça. Ah, 100 pièces. Ah, c'est ça, les pièces. D'accord. Je les avais vues, ces pièces-là, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je me suis dit, c'est juste du cosmétique. Mais. Oh. Non, ce n'était pas du cosmétique. Ah, mais je me fais toucher par ce gros lourdeau. C'est scandaleux au bout d'un moment. Non mais t'as raison. T'as qu'à être nul si tu sais pas quoi faire dans la vie. Il y a de l'avenir pour les nuls. J'ai fait n'importe quoi sur ce... Non mais me faire toucher quand c'est un peu difficile, ok, mais là je me suis fait toucher trois fois par le lourdeau. Une bouteille de nectar. À qui pourrais-je bien offrir ça? Alors là ça doit être... Est-ce que c'est Athéna ou... C'est quoi la déesse de l'amour? Je sais plus. Ça, c'est Dionysos. Ah oui, je vais prendre Dionysos. C'est quoi? C'est des mines, ça, je suppose. C'est offrir RT. Seigneur Dionysos, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous connaître. Veuillez accepter cette humble offrande. Non, mais c'est un cadeau de dingue, Zag. Et il se trouve que j'ai justement quelque chose à te donner. Plus 5 heures, c'est quoi? Non, c'est pas ça. J'ai pas compris ce qu'il m'a donné là. J'ai pas compris ce qu'il m'a donné. Parfois, je me demande ce qui se passe dans ta tête, mec. Je veux dire, je sais que tu m'entends et que tu entends aussi les autres, mais il fait tellement sombre là-dessous que moi, je t'entends pas du tout. Alors, frappe et méché. Votre frappe applique l'état intoxiqué. Ok, 4 toutes les demi-secondes. Votre technique implique l'état... Implique
L'état intoxiqué, 5, toutes les... Ouais, ça je l'avais pris, ça j'aime bien. Ouais, bah je vais prendre ça. Cheers, mate. Mais j'ai pas bien compris ce que ça m'a apporté de lui refourguer le nectar. Et pouvoir gagner des... Enfin, si je meurs pas, pouvoir gagner des gemmes. Putain, j'aime pas ces saloperies de crâne. C'est bon, je l'ai oui, je l'ai eu. Seulement 5, je pourrais rien en faire, ça. Je pourrais rien en faire. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Qui ça pourrait être? Et je ne peux même pas le deviner. Mais pourquoi? Touché encore par ces gros lourdeaux. Est-ce que je peux... Non, ça peut pas aller. Non, non, arrête. Putain, 4. Enfin, j'ai refus de la mort, non? Merde! Alors, c'est qui? Gagner 25 coeurs. Donc, ah ouais, ok, ça. Ouais, ça va comme si j'ai recommencé à zéro. Alors, Zeus ou je sais pas quoi? Oh ben, Zeus, hein, après tout. Ah oui, j'ai quand même bien mangé, hein. Ah non, non. Bon. Accepté. N'oublie pas, jeune homme, la mort n'est que pour les mortels, alors ne commence pas à en faire une habitude. Mais si tu dois vraiment en arriver là, alors meurs au combat, comme le ferait un véritable héros. Alors, tir foudroyant, votre lancer, oui, ça je m'en fous, pour l'instant je m'occupe pas de ce truc-là, j'ai pas les réflexes. Votre élan déclenche un éclair qui s'abat. Oui, ça je l'ai eu tout à l'heure et j'ai... Rare, rare. Ouais, je vais faire ça. Ça me plaît moyen, mais je vais faire ça. Is my hair sticking up? Not dead yet. Must be the fountain chamber I commissioned back at home. Ça doit être la fontaine que j'ai commandée. Récolter 10. Pourquoi j'ai pas les 20% en plus? Restaurer 15 coeurs. On peut pas aller dans la flotte, hein, apparemment. Bon, bah, on va aller récupérer un petit peu de... Mais pourquoi j'ai pas les 20% de...
De l'obsidienne en plus. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que je veux? Je veux une clé ou... Non. Non, parce que l'arme, pour l'instant, je n'aurai pas tout de suite. Alors qu'avec l'obsidienne, je peux éventuellement améliorer des choses. Here we go again. I see you there. Ah. That must be one of those infernal traps. I get the feeling I am being watched. Ah, ces putains de crânes. En plus, il fallait que ce soit ces crânes-là. Hein. Évidemment, ça pouvait pas être... Ça pouvait pas être d'autres ennemis. Ça ne pouvait être que les crânes. Combien 15 secondes, là, devrait aller. Again, you make a mockery of me. Peace and quiet. C'est quoi là? Verrouillé. Épreuve du trésor, obtenue jusqu'à 50. Qu'est-ce que c'est? Whatever, let's try it. I'll give these wretches all to me at will. Tuez rapidement vos ennemis. C'était minable. Ah d'accord. Oh, c'est la merde. Parce qu'en fait, ouais, ok, je comprends. Le chrono nous fait perdre les... Ah non, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Oui, c'est la première fois que je vais aussi loin, c'est vrai. Ah, puis en plus, ces saloperies de crâne, là. Ont une double vie, là. Une double barre. Ah, putain, il me reste plus que deux points de vie. Normalement, j'ai refus de la mort, non? Je croyais que c'était une fois par niveau. Alors, c'est une fois par partie. Ah, d'accord, oui. C'est une fois par partie. Ouais. Je suis déçu. Je pensais vraiment que... Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Alors, comme ça, tu t'es fait embrocher par un piège à pointe, hein? Quelle poisse! T'as essayé de pas rester planté dessus, genre, quand les pointes sortent? Eh, connard! Connard! Continue comme ça, mon garçon. J'ai rencontré de grands hommes tout au long de ma vie, et je sais reconnaître quelqu'un qui sait comment dominer la situation malgré les circonstances. Bats-toi comme je me battrai là-dehors. Je vais leur en faire voir comme vous en votre temps, Achille. Mais il faut quand même dire qu'ils sont qu'une grande partie des ombres qui s'opposent à moi sont arrivées au Tartare à cause de vous. Merci le motard. Petite caresse. C'est qui le chien à trois têtes? Bon, tiens, qu'est-ce qu'il veut le vieux? Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Est-ce bien toi, fils? Cerbère, regarde qui est de retour. Lui aussi se fout de moi. Cerbère regarde le prince d'un air triste. Pas la peine de mêler le chien à tout ça, père.
Quoi que tu aies à me dire, dis-le devant Cerbère. Tu aurais une ou deux choses à apprendre de lui en matière d'écoute et d'obéissance. Je crois que j'ai pas gagné assez pour rénover. Ah ! Le salon est ouvert. Ma bouteille, voilà. Le salon est ouvert. Oh, le prince en personne. Vous voulez me parler à moi ? Oh, d'où ça ? Je voulais juste vous dire que ce n'était pas la peine de ranger ma chambre aujourd'hui. Je pars pour un petit moment. J'ai du ménage à faire. LB. Voilà. Ok, oui. Ça apporte rien. Pour le moment, en tout cas. Est-ce que j'ai des trucs à gagner? Est-ce que j'ai des trucs à... Avec qui discuter? Non. Bon. On va voir. Mère. RB. Voilà. Ces brefs échanges me réjouissent, mon enfant. Au revoir. Merci, Nyx. Est-ce que... Attends, refus de la mort, c'est... Une fois par niveau. Alors, j'avais pas passé le premier niveau en tuant les deux jumeaux, là. Ah, je suis très déçu. Je pensais avoir... Ok. J'ai que deux... Est-ce que je débloquerai ça avant de prendre l'autre arme? Oui. Parce que je pense que c'est assez ça, les... Ouais, je vais prendre ça. Et ça. Oui, ça va commencer à être intéressant, là. Est-ce que je prends l'arc? Examiner la vitrine. Ah, le prochain bienfait que vous trouverez viendra de Dionysos. Ces bénédictions ont 10% de chance d'être de qualité rare ou supérieure. D'accord, alors ça c'est en donnant le nectar à Dionysos. D'accord, appuyez sur A pour vous en équiper. Remportez 25 combats avec ceci pour le faire passer au rang supérieur. Ah mais c'est excellent ça. J'aime bien cette histoire d'améliorer des choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien là. Et je vais prendre l'arc. Alors je ne comprends pas là, cette histoire de... Voilà. Ok, c'est là. 48, sinon ça fait 60... Bah oui, bien. Alors c'est bien, ça fait moins de dégâts. 70, ok. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de chercher à faire... Donc qu'est-ce que Dionysos va nous donner? Oh, ça va être... Ah bah non, c'est pas Dionysos, ça c'est Dédale. Pluie de flèches. Maintenez enfoncé votre bouton d'attaque pour tirer rapidement. Vous ne pouvez plus effectuer de tir puissant. Votre attaque tire deux projectiles côte à côte, mais sa portée est réduite. Votre attaque tire trois flèches en cône. Les trois me paraissent correctes. Celle-là, à la limite, est meilleure. Mais qu'est-ce qu'ils appellent en cône? Je vais peut-être essayer ça. Je vais voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien savoir si je peux laisser appuyer le bouton en permanence. Ah, mais on peut pas se déplacer. Ok. Nothing.
Ce serait pas désagréable que ça soit ailleurs que dans ce putain de couloir là, parce que on est gêné par tout ce qu'il y a autour. Pour la première salle, c'est quand même pas terrible. J'ai dit que j'aimais pas ces putains de... Ah ouais, quand même, ça fait pas mal de dégâts. Ah oui, non, c'est pas mal ce truc-là. Faut pas que les bestiaux bougent trop, mais c'est pas mal autrement. Mais d'où ça venait, cette histoire de 20% de... Est-ce que c'est l'arme? Ah ouais, c'est l'arme qui donnait 20% de plus. Ok. Ah ouais, non, mais ça fait quand même des dégâts. Hein. Ah ouais, non, mais oui. Le rester appuyé, c'est du tout bon. Quoi. Ah ouais, c'est une bonne... Oui, c'était une bonne idée de prendre celui-là. Ah oui, il m'approche pas. Ah, Dionysos. Ouais, évidemment, je perds en distance. Ah oui. Bon, ça n'a pas que des avantages non plus, mais... Alors, comment va mon dieu des enfers préféré? Tu tiens le coup, Zag? En tout cas, tu vas bientôt te sentir beaucoup mieux, je te le dis. Alors, technique... Votre technique applique l'état intoxiqué, dégâts d'intoxication 6 toutes les demi-secondes. Tirez méché, votre lancer. Pour l'instant, je m'en fous de ton lancer. Votre élan. Non, je vais prendre ça. Je m'en sers relativement souvent quand même. Voir qu'est-ce qu'il me propose là. Acheter. Restaurer 10% lorsque vous entrez dans une chambre. Ouais. Instantané, obtenez. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Hein. Un échantillon de l'inventaire infini du nocher stygien est disponible à qui veut bien en payer le prix. Bon, moi je vais prendre ça aussi. Hein. Ah oui, mais j'ai pas été touché, c'est con. Enfin bon, non, c'est pas con. Ça m'arrange quand même un peu de pas me faire toucher, mais... Non, bon, voilà. Ça y est, fallait que j'en parle. Je pouvais pas rester entre nous. Cette clé peut... Oui, ok. Mais moi, je vais débrouiller les autres améliorations avec l'obsidienne. Déverrouiller. Alors ça, donc ça doit être Artemis. Hein. Let's go, lads. Ah ouais, non mais c'est bon ça.
En plus, quand je... Ah oui, non, mais c'est excellent, ça. Alors, je vais d'abord récupérer ma... truc. Accepter. Hey, où est-ce que tu as trouvé un aussi bel arc? Prends soin de ma coronarque. Ma coronarte. Pour moi, d'accord. J'aimerais bien l'essayer quand tu nous auras rejoint là-haut. Prends soin de coronarque pour moi. De pas, pas de ma. Alors, tir précis. Ça, je m'en fous pour l'instant. Votre assaut m'intéresse pas. Tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques. Bon, non, je vais prendre celui-là. Parce que finalement, l'assaut, je m'en sers quand même. L'avantage, c'est qu'ils sont repoussés en arrière, les trucs. Non, mais c'est vraiment excellent, ça. Alors, je sais déjà plus qui c'est. Ah non, c'est pour avoir des cœurs en plus. Ah bah tiens, on va voir ce que c'est, ça. Je... À chaque fois, je l'ai snobé. La boutique de Caron. Ah bah, j'aurais peut-être pas du tout dépensé. Acheter 20 cœurs. Ah bah, j'aurais peut-être pas dû dépenser tout mon pognon. Ah, si j'avais su qu'il y avait des magasins. Et ça, c'est 20 en plus, ou c'est juste de la vie? Bon, allez. Ah, ok, d'accord. Voir, parler. Bon, ben, on a Caron. Alors, ça alors, quelle coïncidence, cher Caron. Je faisais juste une petite promenade, histoire de me détendre un peu. Je ne... Tiens, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu as des choses à vendre? Dans ce cas, je vais jeter un petit coup de... Oui, moi, je viens de le faire. Bon, ben... Il n'y a rien, il n'y a pas de truc caché quelque part. Ah, on peut... il y a même son bateau. D'accord, ça c'est un magasin. Pourquoi est-ce que je m'embête? Okay. C'est forcément l'oncle numéro 2. Alors, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Ça, c'est Poséidon, le trident. Ohé, petite Hadès, tu reconnais ton oncle, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Mais avant toute chose, extirpe-toi donc de ces tristes enfers. De mon côté, je vais voir si je peux faire quelques vagues, histoire de t'aider à avancer. Ok, donc, frappe marine. Votre attaque est plus puissante et repousse vos ennemis. Plus 30%. Oui, c'est pas négligeable, surtout avec le truc que j'ai là. Votre lancer, ça je m'en fous du lancer. Arrêtez de me proposer des trucs de lancer, je m'en sers quasiment pas. J'y pense pas. Trésor englouti, vous obtenez un sortiment aléatoire. Ah oh, non, non, non. Non. Non, honnêtement. Non. En plus, si c'est 3 de l'un, 2 de l'autre, et puis s'il y en a 8 en tout, non. Si c'était 150 répartis sur les... Ok, éventuellement, mais non. On dirait que j'ai ramené une belle prise. La puissance des mers devrait m'être utile, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas de permanent, hein.
Vos ennemis ont 15% de chance de laisser derrière eux de la nourriture, des cœurs. Infliger 50% aux 6 combats seulement. Les pièges, oh non, ok, je m'en fous. Ah mais j'étais coincé, saloperie. 78, ouais, ça fait, c'est pas mal. C'était 60 que je faisais tout à l'heure. Donc c'est mieux. Ah non, mais là, le truc là qui me permet de tirer en boucle... C'est excellent, c'est excellent. Thank you. Where to? Ah non, je vais prendre la clé. Ah ouais, ça va être les deux jumeaux là, non? Je sais pas si ça les repousse tous, mais les crânes, ça les repousse bien. Ah, la saloperie! Ah, mais arrête de voir! Je suis... Plus 2? Ah, plus 2, ok. Donc ça, c'est le marchand. Ah, j'ai pas fait gaffe, est-ce que c'est des trucs permanents qui nous filent ou pas? Non, je crois pas. Donc, je verrai une autre fois. Alors, je me rappelle plus que c'est encore ça, la grenade, là. C'est un truc gratuit, il n'y a pas de combat, il n'y a rien? Bon, c'est pas que je veuille me plaindre, mais si j'avais su les autres, il faut déjà voir ce que c'est. Ah, est-ce que c'est de la vie? Ça ressemble vraiment à une grenade, hein, le fruit, hein, évidemment. Frappe marine niveau 2, ok. Technique déméchée. Élan du chasseur. Non, ça, je crois que c'est mieux. Grenade de puissance. Ah, bah oui, c'est écrit au-dessus. Non, je suis quand même pas tout à fait demeuré. Enfin, pas tout le temps. Non, mais je les ai déjà passés, les jumeaux. Mégère, première des Erini. Halt Zagreus. Zagreus. Je crois que c'est. Je pense qu'on doit dire Zagreus. Hein. Pas un pas de plus. Ah, allez, Meg. On ne pourrait pas passer à autre chose. Et puis, tu ne devrais pas être ailleurs en ce moment. Eh, mais normalement, j'ai encore le retour à le refus de la mort, là. C'est ton père qui m'envoie. Franchement, je préfère être contre toi plutôt que contre lui. Maintenant, soit tu rentres chez toi, comme un petit gentil petit garçon, soit je te renvoie à la maison par la manière forte. Qu'est-ce que ça sera? Bah, je vais prendre la manière forte. Merde, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, ça... Ah merde. Oh putain, je... Ah merde. Putain. Die.
Oh putain. Ah, je l'ai... C'est moi ? Attends. Erini vaincu, ok. Je savais pas si c'était moi. Parce qu'il me restait pas grand-chose. Récolter, c'est quoi ça ? L'ambroisie ? Prime 100, 100 titans. Région traversée, tartare, arme, arc, tracker. Ah. Un escalier, donc là, je change de niveau. Donc normalement, je dois avoir un refus de la mort réactivé. Fermé. Examiner. Nul autre que ceux faisant partie du cercle de confiance du Seigneur Hadès sont autorisés à pénétrer dans les chambres reliant les vastes régions des enfers entre elles. Mais le prince décide de s'y aventurer malgré tout. Je m'aventure là où je veux. Mais pourquoi c'est fermé ça? J'ai pas le droit. Et là, c'est... Restaurer 10 cœurs, oui. Ah. Sacrifier vos bienfaits en échange. Épique. Oui, mais sacrifier quoi? L'on peut se libérer même des influences les plus élevées. Attends, monnaie utilisée dans le... assaut. Ouais, je vais prendre... Attends, purger... Ah non, je vais pas perdre. Non, je vais sortir jamais. Je vais même utiliser la souris parce que je veux pas me tromper de... Je veux pas que ma souris, elle est... Ah non, surtout pour de la monnaie de merde, là. Non, jamais. Essence vitale, restaurer jusqu'à 11 cœurs, oui. Obtenir pour 6 combats seulement, putain. Je vais récupérer de la vie, quand même. Hein. Ça, je m'en sers jamais, les pierres. Non, ça... Non mais il déconne lui, je vais vendre un truc qui est super pour juste pour de la monnaie que je vais perdre en mourant. Il plaisante. D'accord, donc là voilà le premier niveau. Donc j'y récupère un... Mais non, mais je les ai niqués les fantômes, les jumeaux ou pas? Asphodel. Ok. Lui, c'est que de la monnaie. Bloodless. Ah oh, putain, je me suis trompé de bouton encore une fois. Là, je commence à être un peu léger au niveau des dégâts, là. Ah tiens, ça a l'air de passer au travers des... Les flèches ont l'air de passer au travers... C'est quoi ça, récolter? Mais j'en ai rien à carrer, ton fric. Où est la suite? Ah.
Ah, du nectar, ouais, je vais peut-être m'amuser avec. Ah, mais putain! Non, putain, j'ai. Pas de vie, puis il faut. Let's get out of here. Burnflingers! Ok. Est-ce que je les stocke les. Enfin bon, je pose des questions, mais personne ne va me répondre. Est-ce que je les stocke les. Le nectar. Ah, merde, j'ai pas regardé s'il y avait autre chose. Le nectar, si je l'utilise pas. De toute façon, je vais pouvoir tout prendre. Tu sais ce que j'aime bien chez Caron, il n'est pas très bavard. Et comme ça, comme tu ne l'es pas non plus, je te laisse prendre ça. Tir précis. Je m'en fous de ça. Arrêtez de me proposer des trucs comme ça, j'en veux pas. Point de pression. Tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques. Tir de soutien. Vous tirez une flèche chercheuse lorsque vous infligez des dégâts avec votre lancer. Arrête de voir avec ton lancer. Bon, je vais prendre ça, mais vraiment, c'est de la merde, hein, non. Ah, quoique. Bon, allez, je vais prendre ça. Mais vraiment. Allez, du vainqueur. Et 25 heures. Oh, j'aurais dû prendre le oh, quel. Ah, je peux pas. J'ai pas assez de fric. Non, j'ai pas assez de. Non, c'est 125. J'avais cru 25. Je suis un âne. J'aurais dû prendre ça, bordel. Oh bah tiens, je vais lui offrir à lui, oui. Non, c'est RT. Caron, ça me fait tellement plaisir de te voir que je me suis dit que j'allais t'offrir quelque chose en guise de remerciement. Au moins c'est clair. Attends, ce n'est pas la peine de me donner quelque chose en retour, c'est juste un cadeau. Mais si tu insistes. Nouveau souvenir, sablier osseux. Ok, mise à jour. Mais j'ai l'impression que j'ai pas utilisé ma flèche chercheuse, mon lancer de trucs de saloperie là, et j'ai quand même des flèches chercheuses. Alors je ne comprends pas ce. RB. Alors, votre attaque est plus puissante et repousse vos ennemis. Ouais. Ah, je sais pas. Je crois que je vais continuer là-dessus. Hein. Frappe marine, plus 50%. Ouais. Alors. Je sais plus. Ah, c'est Athéna, ça. Et l'autre, c'est Dionysos. Allez, on va aller voir Dionysos. Enfin. On va aller récupérer du Dionysos.
You're not due, sir. Mais arrête, arrête. Mais arrête, putain. Putain. Mais là, et je comprends pas, là. Pourquoi j'ai pas le refus de la mort, là? Pourquoi j'ai pas le refus de la mort? Il faut que je vois quelque chose. Ok, il faut que je vois quelque chose. Petite seconde. Ok. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas... C'est marqué une fois par niveau. Moi, quand j'entends par niveau, je comprends pas par partie. T'as l'air de quelqu'un qui s'est fait pétrifier... De quelqu'un qui s'est fait pétrifier puis pulvériser par la méga gorgone de Asphodel. J'ai raison? Bah écoute, je suis désolé pour toi et avant que tu demandes, je dirai rien à Dusa, promis. Donc Achille n'est plus là. Est-ce qu'il va reviendre? Je n'en sais rien. C'est qui ça? Nyx? L'Olympe est au courant? Il lui accorde toutes leurs pathétiques bénédictions ici dans mon royaume? Dans notre royaume? Explique-moi exactement comment cela est possible, Nyx. Soit ton pouvoir apparemment illimité se tarit, soit tu manigances quelque chose. Ne doute pas de mon pouvoir, Hadès. Plus ton fil se rapprochait de la surface, plus il risquait d'être découvert. Les dieux de l'Olympe sont heureux de savoir qu'ils ont un parent éloigné et l'accueillent à bras ouverts sur leur montagne. C'est tout. Leur influence est très limitée. Sang et ténèbres, ne me parle pas de leur influence. Je sais parfaitement de quoi elle est capable. Tu fais une erreur stupide. Tu oses me parler d'erreurs stupides? Tu ne peux pas changer le cours du destin, quoi que tu fasses. Le ton n'était pas bon, là. Une petite caresse au... Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Non. Rénover, à mon avis, j'ai pas assez de pognon. Ah, si. Rénovation des enfers permet de changer de souvenir entre deux régions. Bon, oui, pourquoi pas. Ça. Non, mais arrête, manette de merde. Réalisez les prophéties des moires et soyez récompensés. Alors, les moires, c'est l'équivalent des parcs. Il y en a une qui filait la laine, l'autre qui la tissait, puis l'autre qui la coupait. Ça représente la naissance, la vie et la mort. Mère de manette. Voilà. L'autre, urne de fortune, rénovation des enfers. Certaines chambres peuvent contenir des urnes d'une valeur de 5. Ok, alors voilà. Là, quand je pèterai des trucs, ça vaudra quelque chose. Mais pour l'instant, je m'en fous. Ah, je peux. Quelque chose. Embellir le sol de l'aile avec des accents grisâtres. Ça, je m'en fous. Ça me rapporte rien pour le moment, donc ça m'intéresse pas. Je suis assez vénal comme garçon. Oui, mais ça, je m'en fous. Hein, ça me pose pas de problème. Les poils de Cerbère me posent pas de problème. Hein. Décoration de chambre. Un œil attentif peut déceler des traces du passé. Pff, musique de cœur, ok. Bon, bah pour le moment, je ne prends rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici? Ah, Meg, là. Mégère, ouais. Ah, le retour du fils prodigue. Tout le monde dit que je t'ai laissé gagner, Zag. Zig. Ne t'en fais pas, Meg. Je suis quand même revenu ici par la manière forte, en fin de compte. Écoute, j'ai une réputation à entretenir. Si tu me bats encore une fois comme ça, alors tu ferais mieux d'aller jusqu'au bout. Maintenant, laisse-moi et ne va surtout pas croire que tu auras autant de chance la prochaine fois qu'on se verra dehors. Bah, c'est surtout... Si je l'ai battu, c'est surtout parce que j'avais le tir... Sur l'arc, là, c'était vraiment excellent, ça. Échanger.
Attends, c'est quoi ça? J'en ai un de sang des titans, mais je sais pas si ça sert à autre chose. Alors, attends, je sais pas, attends. C'est avec ce qu'il y a à droite qu'on achète ce qu'il y a à gauche? Ou l'inverse? Bon, pour l'instant, je... J'y réfléchirai. Qu'est-ce qu'il y a à examiner, là? Une plaque commémorative orne l'un des murs du salon, célébrant et proclamant les hauts faits de ceux qui servent le Seigneur Hadès de manière exemplaire. Alors là, j'ai 5 clés. Est-ce que ça vaut le coup que je l'ouvre maintenant ou pas? Révéler deux nouveaux talents cachés du miroir de la nuit. Ok, bon. Infligez plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez des ennemis ayant... Ah, d'accord, les espèces de larmes là, en eux. 10% par niveau. Ouais, et augmentez votre réserve de pierres pour votre lancer. Ouais, mais je vais le prendre. Oui. Là, ça peut commencer à être utile. Ça, je m'en fous. Ouais, je vais en prendre un comme ça. Pas sûr que... J'aurais pas dû déverrouiller la... Scully. L'arme, là. Mais bon, je... Examiner. Mais je pourrais la regarder quand même. Je vais pas la manger. Alors... La durée des effets des marchandises du puits de Charon est augmentée de 4 combats, ça je m'en fous. Remporter 25 combats avec ceci pour le faire passer au rang supérieur. Non, ça m'intéresse vraiment pas. Remporter 10 combats avec ceci pour faire passer... Il m'en reste 10? J'en ai déjà fait 15 alors apparemment. Ça faudra que je le prenne quand même pour si je veux aller jusqu'à 100%, mais je sais pas à quel point c'est difficile d'arriver à 100%. Donc, on verra. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends encore l'arc? Allez, on va prendre Captain America. Je dois faire peine à voir, mais tant pis. Bonjour, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Aphrodite. Tiens. Bonjour, petit dieu. Tu sais, je trouve que tu es un magnifique spécimen, alors j'ai décidé de te venir en aide pour le moment. Ça t'intéresse? Votre attaque est plus puissante et applique l'état affaibli. Votre lancer inflige des dégâts dans un rayon étendu à courte portée et applique l'état affaibli. Affaibli, c'est quoi? C'est pendant au moins 4 secondes, la victime inflige au moins 30% de dégâts en moins. Non, mais ça m'intéresse pas, parce que ça veut dire que je... C'est juste en ne me faisant pas toucher que ça me rapporte. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Votre élan vous permet d'infliger des dégâts autour de votre destination, tout en appliquant l'état affaibli. Ben, je crois qu'il n'y a que celui-là. En gros, l'état n'apporte rien, affaibli. Si, éventuellement, mais... non. Moi, je vais prendre ça, parce que ça augmente ma puissance d'attaque. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à gagner, hein, là. Vraiment pas grand-chose à gagner, ici. Ah, Dionysos. Wow, toi, t'as dû rencontrer la belle Aphrodite. J'ai raison ou j'ai pas tort, Zag? J'ai pile le truc qui ira avec son pouvoir. Des capotes?
Tir éméché, votre lancer devient projectile qui... Oui, ça, tu veux me le fourguer depuis un moment. J'ai bien compris, hein. Ah ben, les piques, là. Vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40% de... Ah non, mais... Il y a un truc épique, mais j'en veux pas... Boire dans une fontaine restaure... Oh, putain, mais c'est de la merde, ce qu'il me donne, là. Bon, moi, ça, je vais prendre ça, hein. Si encore c'était vous résistance aux dégâts 20%, mais sans cette histoire de 40% de votre cœur en moins, là. Ok. Mais non, je vais prendre un rare plutôt qu'un épique. Hein. Non, mais il fait pas de dégâts, le Captain America, là. Bon, vivement que ça rapporte du pognon d'aller là-dedans. Parce que c'est quand même un des plaisirs aussi dans Zelda de péter les jarres. Ok. Ah oh, putain de crâne de merde. Je te déteste. Ah j'en ai plus. Mais non, mais arrête de voir, de faire n'importe quoi. Je voulais envoyer depuis un moment, je me suis pris des dégâts parce que je balançais le bouclier. Je voulais balancer le bouclier et je donnais un coup. Oh. Ah, Poséidon, il m'avait donné des trucs pas mal. Là encore, je... Ah putain, je me jette dans le... Mais c'est fini J'ai l'impression de commettre un génocide là. Comment évolue ta querelle contre mon ours de frère aîné ces derniers temps? Ce pauvre Hadès est désagréable avec tout le monde alors. N'en fais pas une affaire personnelle et reste avec moi. Tire de submersion. Votre lance C inflige des dégâts en zone et repousse vos ennemis. Ça peut être intéressant. Non, ça non. Ah, attends, c'est autre chose là. Ah, c'est 50% de bonus dans les... Ah, j'ai peut-être pas compris tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave, est-ce que ça m'intéresse, j'en sais rien. Ah non, c'était ça qu'on avait eu. Eh ben, je vais peut-être prendre ça. Je vais peut-être prendre ça parce que finalement, le lancer... Pour 10 dégâts de plus, même si ça fait des dégâts de zone, je crois que je vais prendre ça. Might of the sea.
respite. Ah bah. Ah, c'était dur. C'était dur, j'ai eu du mal. Bon, il n'y a rien d'autre à regarder dans cette pièce. Ah, Zeus ou... Oh là, il y en a deux là. Apparemment, j'aurais le choix. L'épreuve des dieux. Qu'est-ce que je prends ? Poséidon, c'est quand même assez puissant, Poséidon en général. Technique marine, votre technique est plus puissante et repousse vos ennemis. 70, ok, on... ah ouais, là c'est 70% de 15, ça fait 6, ça doit faire, ouais, attendez. Divisé par 10, ça fait 1,5, fois 7, ça fait 10,5, donc il devrait faire 25. 25 de dégâts en plus. Votre élan vous permet d'infliger des dégâts aux ennemis autour de vous et de les repousser. Lorsque vous commencez un combat, votre attaque et votre technique infligent plus de dégâts pendant 10 secondes. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais prendre ça. Et normalement, ça devrait me faire des 25 points au lieu de 15. Est-ce que je peux prendre l'autre, là ? Écoute, Zag, je ne vais pas te mentir, tu m'as vraiment blessé, là. Je croyais qu'il y avait un truc fort entre nous, un vrai lien familial. Rien que d'y penser, j'ai la rage. Bah attends, je peux le prendre maintenant, si tu veux. Ouais, 26, hein, c'est bien ce que j'avais calculé. Bon, en même temps, c'est pas un exploit de calculer ce genre de truc. Ah merde! Ah oh, putain, il me fait payer cher le salopard là, le Dionysos. J'ai bien mangé là pour le moment, hein. Ah bah, bon, ok. Merci pour le petit spectacle, Zag. Je parlais de quoi tout à l'heure, déjà? Élan éméché. Votre élan vous permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué à proximité de votre point de départ. Peut-être intéressant. Votre vie augmente lorsque vous ramassez du nectar. Recevez immédiatement un nectar. Attitude. Vous subissez moins de dégâts lorsque vous... Non, ça, je m'en fous. Alors là, ça aurait l'avantage de me redonner 20 points de vie. Ah, mais non, on va prendre ça. On va être offensif. Alors, j'ai 70 pièces. Alors là, c'est Caron qui vend du matériel là ou... Où il y a des objets intéressants. Bon. On va aller voir Zeus. Enfin. Zeus. Mais c'est un monstre normal ça ou c'est un boss, un mini boss? Il n'y a pas de nom, rien. Ah oui, ben, bien joué. Putain, il me reste plus que 13 points de vie. Bon, j'ai encore un refus de la mort, mais
Ah. Bon, j'ai pas besoin d'aller récupérer. Ah, est-ce que je... Oh, je l'offre. RT, RT. C'est en bas. Voilà. Seigneur Zeus, mon oncle, je vous prie d'accepter ce cadeau et toute ma gratitude. Ça alors, mon neveu, voilà une sacrée offrande, si je puis dire. Ta foi en moi me flatte, et pour te montrer à mon tour ma générosité, accepte ceci. Donc un souvenir de plus, nouveau souvenir, chevalier éclair. Et maintenant, je prends le... Mon frère Hadès a toujours été du genre solitaire, tu sais. Comme je l'ai plaint, malheureusement, je ne suis jamais vraiment parvenu à le faire sortir de sa coquille. Et maintenant, il broie du noir là-dessous. Tu n'as pas supporté le poids de ses frustrations. Alors, tir foudroyant. Non. Ah, quoique, ça peut être intéressant. Lorsque vous vous élancez juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est frappé par la foudre. Tout ennemi... Non, alors, c'est soit ça, soit ça. Ouais, bah, je vais prendre celui-là. Alors là, normalement, je devrais avoir 40%... 40... Tiens, je vais regarder une chose. Plus, hein, c'est quoi, là? Âme infernale. Augmentez votre... Ah, d'accord, oui. D'accord, oui. Et 40%, ça, c'est le... Non, c'est pas ça. C'est où le truc de... Ok, j'en ai 140. Je crois. Plus 1. Stand down or suffer. Oui, il y a quand même, c'est quand même bien le knockback là. Bon, ça va. T'as pas compris, Nigo? Tu te fais défoncer comme ça, puis... Oui, t'as raison, fallait pas m'énerver. Récolter 15. Alors là, c'est des cœurs, j'ai rien d'autre que des cœurs. Ah, ça, je peux... Ah oui, ça fait des dégâts, ça. Ah, je suis con, j'y ai pas pensé à le faire. Ouais, si finalement ce serait bien d'avoir des. Combien 25. Ok, bon. Il n'y a pas d'autre sortie. Alors, ben, on va aller pour la clé. Hein. Non, putain, on peut pas se cacher là. Coupe débordante, rang supérieur. Ah oui, ça c'est le truc de...
Le souvenir là. Oh, bah, je vais aller vers l'obsidienne. Hein. Et pourquoi j'ai été touché là? Bon, je vais aller. Non, c'est bon. Non, celui-là, il faut le niquer parce qu'il est chiant. Celui-là aussi. Ah putain, j'ai pas le temps de me barrer. J'ai payé cher d'être bête. Non, je, peut-être que 158, je pourrais peut-être acheter des. Ouais, j'aurais besoin d'acheter de la vie. Ah ben. Attends, c'est quoi? C'est Aphrodite ça? Non, mais le marteau, je peux pas. Donc il y a des objets, des améliorations. Ok, c'est bon à savoir. Comment se retrouve mon trésor parmi les détritus de l'autre nocher? Décidément, tu m'emmènes vraiment aux meilleurs endroits. Tir exalté, votre lancer inflige des dégâts dans un rayon étendu à courte portée et applique l'état affaibli. Je m'en fous de l'état affaibli, bordel, pourquoi ils me le mettent? Une fois tué, vos ennemis infligent des dégâts aux autres ennemis à proximité tout en appliquant l'état affaibli. Bon, ça. Vos ennemis vous infligent moins de dégâts lorsqu'ils se trouvent près de vous. Non, mais je prends celui-là. En gros, ils vont péter, ils vont exploser. Ah, bah ça, je vais pas là. Tu es blessé, Zagreus. C'est indigne d'un dieu. Sans parler du fait que j'ai le dessus sur toi. Ben, régénère-moi. Je me suis dit que j'allais te laisser un avantage cette fois. Alors j'ai laissé les misérables sur mon chemin me tabasser. Imbécile, si tu es déjà à moitié mort, avant même d'arriver jusqu'à moi, comment espères-tu pouvoir affronter ce qui t'attend plus loin? Je n'ai pratiquement pas fait de dégâts. Puis alors moi, comme un âne, je vais sur les pièges, je me jette sur un projectile et en plus je vais lui faire le baiser de la mort, mais ma mort à moi. Bon, il va encore se foutre de moi l'autre là. Oh, bonjour Doussa. Comment ça va vos corvées interminables? Monsieur Hypnos, est-ce que vous croyez que vous pourriez garder un œil sur la file d'attente devant le Seigneur Hadès, comme vous vous êtes normalement censé le faire? Oh, aucun problème, je peux tout à fait essayer. Ben, je vais simplement ajouter ça à la liste. Eh bien alors, je suis contente qu'on ait pu discuter. Vous devriez peut-être faire une petite sieste maintenant que vous avez l'air épuisé. À l'idée de travailler, on est toujours épuisé. Get on it, Hypnos. Ah, c'est plus Achille, ça? Achille, j'ai trouvé une étrange relique dehors. Un globule de sang très ancien qui s'est formé après mon combat contre Medjer. Est-ce que c'est vraiment le sang des titans? Pour autant que je sache, oui, mon garçon. Mais je serais incapable de te dire à quel titan il a appartenu.
Tu ferais mieux de garder ça de côté, tes armes dans la cour. Elles auront soif de ce sang et l'engloutiront. Peut-être pas maintenant, mais bientôt, certainement. Petite caresse. J'ai toujours des caresses sous la main pour mon chien préféré. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre, là? Le voilà déjà de retour, Cerber, comme je l'avais prédit. Je suis juste là, père. Je suis désolé qu'il ait encore dérangé ton repos, Cerber. Mais tu as fait du bon travail. Le royaume reste bien défendu grâce à ta conduite exemplaire qui nous inspire tous. Fais voir. Est-ce que je peux rénover quelque chose? Mais où est-ce que je vois combien j'en ai? Non, j'en ai que 15. Je vais pas... Le salon de la maison d'Hadès est en réalité un espace tout à fait lugubre en dépit de sa fonction première, laquelle étant d'apporter un peu de gaieté aux tristes habitants de la maison. Ouais. Toujours mieux que rien. Ok. Échanger. Donc on peut faire des boucles à l'infini. Hein. Pour 10 gemmes, j'ai une clé. Et pour 2 clés, j'ai 20 gemmes. Nix, j'ai parfois l'impression que les Olympiens regardent de haut ceux qui sont nés aux enfers. Est-ce mon imagination? Qu'en penses-tu? Les dieux du mont Olympe ont en effet tendance à se croire supérieurs à nous, mon enfant. C'est du moins ce qui se dit souvent. C'est du moins ce que dit souvent ton père. Lui seul a été relégué dans ce royaume et en a voulu aux membres de sa famille. Bon. Ah bah je peux rien améliorer. Ah si. Coup de sang. Infliger plus de dégâts de technique lorsque vous frappez des ennemis ayant... Ouais. La main infernale. Donc je vais quand même... L'attaque sournoise, c'est quand même un bon truc. C'est le maximum, d'accord. 5. Allez vous allonger. Est-ce que c'est par rapport à la relique, là? Précédemment, nous sommes au beau milieu de la nuit où de ceux qui s'en approchent le plus dans le royaume d'Hadès, le prince des enfers, Zagreus, se réveille d'un sommeil agité avec de la malice plein les idées. De la malice? Moi? Je comptais juste jeter un petit coup d'œil dans les affaires de père. Ah oui, ok. Tout est calme à cette heure. Hypnos, éternel rêveur, a lancé un sort sur la maison, comme le lui a demandé l'obstiné Zagreus. Tous dorment à point fermé, à l'exception du prince. Tout se passe comme il l'a prévu. Moins fort, le vieux, j'essaie de rester discret, là. Il s'aventura vers l'imposant trône de son père, de son seigneur et père, s'attendant à se faire repérer, mais bien loin d'imaginer ce qu'il s'apprêtait à découvrir. J'ai dit la ferme, le vieux. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Il sait seulement qu'il a toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir à cet endroit. Qui est-il vraiment? Le seigneur Hadès ne répondrait jamais à de telles questions. Par conséquent, le prince Zagreus devra trouver les réponses par lui-même. Ah tiens, j'ai l'impression qu'il dit Zagreus. C'est dommage, je ne sais pas s'il y a moyen de réécouter. J'ai l'impression qu'en anglais, il dit Zagreus. Je n'écoute pas.
Mais comment j'atteins ce truc là? Comment je... Ah. Il fouilla dans les affaires de son seigneur et père, et ne trouva rien de bien important, seulement des registres et des parchemins administratifs, ou encore de la correspondance provenant de l'Olympe que le maître avait ignoré. Aucune trace d'un quelconque document faisant référence à son fils. Mais c'est alors qu'il découvrit cette lettre, écrite avec délicatesse d'une main et d'une voix que le prince n'avait jamais vue ou entendue. Je vais prendre ma bouteille. Alors si vous avez entendu du bruit, c'est parce que j'ai une glacière. Que je n'aime pas boire de l'eau qui n'est pas fraîche. Hadès, je ne supporte plus de vivre ici. Alors je pars, même si cela me tue. Je ne retournerai pas sur l'Olympe. Si j'ai bien une place dans ce monde, alors elle doit être quelque part entre les cieux et les enfers. Peut-être sur la côte avec un petit jardin. Prends bien soin de Cerbère, il me manquera. Perséphone. C'est ainsi que Zagreus, le prince des enfers, assimila le contenu de cette lettre jusqu'alors tenue secrète, écrite de la main de sa mère. Bah, ils n'avaient pas dit que c'était Nyx, sa mère ? La main de sa mère, la main de sa mère. Attends, quoi ? Tu dis que cette Perséphone est ma mère ? Mais mes pères ont toujours dit que Nyx était ma... Ce menteur, il m'a menti, ils m'ont tous les deux menti. Toute ma vie. Ah, et c'est ainsi que le prince découvrit par inadvertance le secret bien gardé sur ses origines. Tout à fait par hasard, bien sûr. Perséphone, l'ancienne reine des enfers. Où était-elle partie? Et pourquoi? Submergé par de nouvelles questions et sa rancœur, le prince décida de confronter son seigneur et maître. Ah, j'ai peut-être coupé la chic. Tu n'es... Nyx, tu n'es pas ma mère. Pendant tout ce temps, toi et mon père, vous m'avez menti. Oh, mon enfant. Alors tu sais maintenant. Il semblerait que oui, mais il ne s'agit que de la moitié de la vérité. Je peux t'expliquer le reste. Je n'ai jamais l'intention de te faire de mal, je te le jure. Mère, je me demande si tu te souviens encore de moi. Bon. Je suis reposé encore. Est-ce que il y a quelque chose à faire là ? Apparemment non. Tiens, je vais prendre l'épée pour commencer. Enfin, pour commencer. Pour changer. Je suis prêt. Ta famille, la mort est ta seule famille. La mort et moi. Mieux vaudrait pour toi que tu t'y fasses. Non, jamais de la vie. Ah, c'est quoi là? Est-ce que ce serait Mercure? Donc Mercure, c'est Héphaïstos? Non, pas Héphaïstos. Comment il s'appelle celui des voyageurs?
Mercure, c'est chez les Romains. Bah, Héphaïstos. Non, c'est. Désolé, c'est ma bouteille. Hein. C'est comment il s'appelle le dieu des voyageurs? Oh, je sais plus. Hermès, ah, quel bourricot. Salut chef, j'ai fini par te trouver. Super. Hermès, à ton service, ravi de te rencontrer. On ne parle plus que de toi sur l'Olympe. Normalement, je ne me mêle que de mes oignons, mais je vais faire une exception pour toi. Allez, hop, 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 on n'a pas que ça à faire, là. J'ai oublié de regarder pour les reliques, là. Vous avez une chance d'esquiver automatiquement les attaques de vos ennemis. Vous vous déplacez plus rapidement. Vos pierres se délogent de vos ennemis plus rapidement. Ça, c'est pas mal. Est-ce que ça serait pas mieux, ça? Allez, hop. Moi, j'avais même pas fait gaffe que j'avais envoyé une pierre. Brimstones. Bon, ça va. Les crânes comme ça me convient. Ok, Dionysos. Dis, ce serait pas la coupe débordante que je t'ai donnée? Je suis content qu'elle te plaise, mec. Heureusement qu'elle déborde encore, parce que sinon, je pense pas que je l'aurais reconnue. Non, je pense que je ne l'aurais pas reconnue. Ça veut dire la même chose, mais... Alors, votre technique applique l'état intoxiqué. Votre lancer devient projectile qui explose en un brouillard festif. Votre élan vous permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué à proximité de votre point de départ. Moi, je vais prendre ça. Oui. Mais faut que ce soit un bonus et pas que ce soit quelque chose que j'utilise volontairement. Tout à l'heure, c'est l'erreur que j'ai commise. Bah, il m'a touché, le salopard. Ah ouais, ça fait 12 points là. Ah, il espère. Il en prend quand même plein la gueule avec ses. Ah, c'est quand même bien là. Hein. Attendez, ça c'est des cœurs, ça je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais... Ah d'accord, oui, c'est juste une amélioration, donc ça, si j'avais rien eu avant, je me laisserais bien carré bien profonde l'amélioration. Euh,
Une clé, oui. Combien j'en ai des clés? Eh, je les vois pas là. Ah si. 3. Ah putain, je me suis jeté dans... Encore une fois, je me jette dans... Encore une fois, je me jette dans le... Donc c'est bien quand même là de, d'appliquer le... Là le, l'état d'ébriété, c'est pas, ça fait quand même pas mal de dégâts. Alors j'ai Aphrodite ou... de toute façon j'ai pas de pognon. Donc... Ah, elle va encore me mettre faiblesse là, non? Tu vas adorer l'Olympe, mon petit dieu. L'air y est pur et vif. Les chemins, les jardins luxuriants, les banquets somptueux. Ma foi, ce doit être l'exact opposé de tout ce à quoi tu es habitué. Ah, affaibli, j'en ai rien à foutre des trucs affaiblis. Vos ennemis vous infligent moins de dégâts lorsqu'ils se trouvent près de vous, oui. Tous les cœurs de centaures que vous ramassez sont plus puissants. Oui, mais... Bon, l'attaque plus puissante quand même. Hein. Sortie de Zeus. Oh putain, j'ai rien compris de ce qui s'est passé là. Je suis décoincé dans les jarres. Je sais pas si je les ai passés souvent. Bon, déjà, je les ai pas passés souvent d'une manière générale, mais je les ai pas passés souvent sans mourir. Tu es donc le fils d'Hadès et d'Onyx, cette déesse de la nuit. C'est bien cela, mon neveu. Eh bien, je suppose que parmi les habitants de son royaume, c'est elle qui ressemble le plus à une reine. J'ai bien essayé de lui trouver des spécimens plus fréquentables, mais sans succès. Et voilà où nous en sommes. Alors, technique. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur vos ennemis à proximité. Lorsque vous élancez juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est frappé par la foudre. Ok, donc... Vengeance céleste, ça je m'en fous. Quoique... Tiens, c'est quoi, c'est le 14 juillet là qu'on entend? Ben, on est que le 13. Ou alors c'est des crétins qui jouent... Oui, quelle heure il est? Ah oui, il est pas loin de... De 11h, donc ça m'étonnerait que ce soit.
Donc, votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Ouais, je vais prendre ça. À moins que je prenne ça. Ouais. Ouais, finalement, parce que ça fait déjà des dégâts d'ébriété. Ouais, ça... Ça pourrait être pas mal. Si je ne me trompe pas, ça pourrait être pas mal. Putain, mais il a fallu que j'aille dans... Dans les pics. Mais jamais j'ai le... Et à quel moment je peux avoir le l'éclair là? Ouais, tout ça pour 5, j'aime. Mais j'aime pas. C'est quoi? Trésor. Épreuve du trésor. Non, avec 2 de vie, non. On va peut-être aller là-dedans. Who dies first? Ah bah ça va faire du bien ces 25 points de vie là. Qu'est-ce que je prends le... Elles viennent toutes seules normalement les pierres, bah, ce sera une bonne occasion. Je vais prendre la clé pour débloquer l'arme. Oh, j'aime pas les cristaux là. C'est dommage qu'on ait pas de bonus pour les trucs qu'on bute. Il me reste 10 secondes. J'aurais dû les laisser dans les rêves. Alors les rêves, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a rien d'autre? Non. Je pourrais débloquer l'arme normalement. Ah là, dédale. So quiet. Non. Il n'y a pas une fontaine quelque part, elle est là. Alors, votre technique vous projette en avant, puis vous rend robuste pendant une seconde. Appuyez sur... Oui, robuste. Vous subissez 30 dégâts en moins. Vos actions ne sont pas interrompues lorsque vous subissez des dégâts. Ok. L'arme cruelle. Votre coup d'estoc inflige 200% de dégâts en plus et a 40% de chance d'infliger des dégâts critiques. Ça a l'air d'être pas mal, ça. Ah oui, la troisième attaque consécutive de votre YX est un coup porté avec la pointe capable de repousser vos... Ah oui, ça commence, c'est chaud à faire trois...
Votre attaque devient une puissante fente infligeant 90% de... Ok, donc... Ouais, je vais prendre ça. Le plus grand des artisans de son temps a même laissé son empreinte sur les enfers. Ah voilà, je... Ça c'est une augmentation de... Je vais aller voir... Caron. Caron. Qu'est-ce que je prends? Les cœurs, 25 heures. C'est 25 heures en plus ou le minimum, le maximum qui est augmenté de 25? Oh. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Ça, ça pourrait m'intéresser. Vos effets électriques appliquent l'état. Mais vos effets électriques. Est-ce que j'ai des effets électriques? Vos effets. Alors c'est celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Mais j'ai des dégâts électriques? Bon, j'ai, dans le doute, je prends ça, mais j'ai vraiment... j'ai des doutes sur le fait que j'ai des dégâts électriques. Mon cher Caron, imaginons que je vous donne, disons, 1000 pièces, accepteriez-vous de m'emmener sur votre magnifique bateau? À contre-courant, devrais-je préciser. Au moins, c'est clair. Je crois qu'on ne peut pas en discuter, on ne peut pas le nier. Toujours aussi têtu à ce que je vois. Peut-être que mon fouet te fera changer d'avis sur ce que tu essayes de faire. Peu importe ce que c'est. Tu sais, honnêtement, ton fouet n'a jamais été particulièrement convaincant, Meg. Si tu le dis... Mais qui sait, peut-être que la persévérance finira par payer. Approche. Elle m'a déjà fait des dégâts. C'est dégueulasse. Ah mais pourquoi je me suis arrêté sur les pics? C'est pas agréable, c'est que pour les brochettes que c'est bien. Putain, un refus de la mort. C'est ces projectiles qui viennent et puis mais vas-y dash crétin. J'ai plus que 6 points. Et merde.
Débarrasse-moi le plancher, oui. Connasse. C'est sorti du cœur, hein. Ok, she got me. Oh, ouais, alors c'est Mégère elle-même qui t'a eu, cette fois. Ça a dû être tellement intense. Elle est rapide et forte et belle et... Enfin bref, j'espère que les moires seront plus gentilles avec toi la prochaine fois. Ah tiens, c'est une moire... Mégère. Bah, fais gaffe. Au sujet de ta famille éloignée, les Olympiens, ils souhaitent t'aider à t'échapper d'ici, n'est-ce pas? J'espère seulement que leurs intentions sont aussi louables qu'elles n'y paraissent. Ils ne s'entendent plus très bien avec ton père, tu sais. Ça tombe bien, moi non plus. J'accepterai toute l'aide qu'on me proposera, si ça peut me permettre de sortir de là. Je suis heureux de t'entendre dire ça. J'ai connu bien de trop de gens trop fiers pour accepter de l'aide, alors qu'ils en avaient grand besoin. Sois prudent, mon garçon. Il n'y a rien à faire ici, là, non? Petite caresse au cabot. Qu'est-ce que je t'avais dit, fils? Tu gaspilles donc toujours ton temps, alors, ainsi que le mien. Alors comment se portent mes enfers? Je ne sais pas comment tu peux les supporter. Eh bien, au moins certaines choses s'y déroulent encore sans accroc. La prochaine fois que tu repars mourir, fais donc part de mes sincères condoléances aux âmes torturées sur ton chemin. Ok, donc je vais pas rénover. Je pense pas avoir... Non, je vais... Allez, on va parler... Non, je vais pas parler à Nyx tout de suite. Je vais aller voir l'arme. Normalement, je peux repartir. Ah oui, je peux repartir. Alors déjà, je vais faire ça, je n'avais pas regardé tout à l'heure. Remporter 38 combats avec ceci pour le faire passer au rang supérieur. Prochain bienfait que vous trouverez viendra de Dionysos et Benix qui ont 15% de chance d'être de qualité supérieure, ou rare ou supérieure. Alors, lorsque le prochain bienfait que vous trouverez viendra de Zeus et Benix, oui, c'est pareil. Remporter 25 combats, ok. On va voir ce que ça donne au niveau de... Ouais. Il y en a encore deux autres des armes là apparemment. Tiens, c'est quoi ça? La cour de la maison d'Hadès est toujours en ordre et régulièrement entretenue, contrairement aux régions terrifiantes qui s'étendent au loin. Voilà, voilà ce qu'il y a dedans. C'est rapide. Ça fait quoi comme dégâts? 25. Ah, et puis, ok. Bon, j'ai pas forcément le temps de le faire, le tourbillon, là, mais ça peut être utile. Ok, donc on va voir les améliorations que je peux... je sais pas si... Alors... Coup de sang... Ben, je vais rien faire. Je pense que c'est mieux. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre telle ou telle arme? Est-ce que ça change quelque chose? À part l'arme, évidemment, mais...
relique. Obsidienne. J'essaierai de faire un tour peut-être hors stream. Donc j'ai pris l'arc. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas aussi bien que l'autre là. Hein. C'était pas aussi bien que quand je pouvais laisser appuyer le... Est-ce que je prends... Non, je vais prendre l'arme, la nouvelle arme, tiens, je vais l'essayer. Je vais prendre mon spear. Oui, c'est pretty nice. Again. Nice. Again. Que fait oncle Poséidon ici? J'ai quelque chose à t'avouer, petit Hadès. Mes proches et moi, nous avions gardé de côté l'un de nos plus beaux cadeaux, juste pour voir si tu en étais digne. Et tu l'es. Je suis à ton entière disposition, alors appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Surtout si c'est pour réduire tes ennemis en bouillie. Soutien de Poséidon. Votre appel vous permet de tacler vos ennemis tout en étant invulnérable pendant une... Appel CRT. Alors je comprends pas. C'est quoi la part de la jauge divine? Ok, la jauge divine, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le truc qui est en bas. Ok. RT, c'est quoi? C'est en bas ou en haut? Ah oui, ça fait l'effet sournois aussi, là. What a fight. Ah, et quand ça revient derrière, ça fait le coup sournois. C'est pas mal, ça, comme truc. Ah oui, c'est excellent. Ou ça c'est quoi? Est-ce que c'est du pognon? Je sais pas si c'est un dieu ou... Ah non mais c'est excellent ça l'histoire de revenir... Ah ouais, non, mais c'est extrêmement puissant comme... Ah ouais, non, mais il faut pas que je reste là à admirer le truc, parce que... Ah, mais ça fait des coups sournois par derrière. Alors, c'est quoi, là? Récolter 100. C'est quoi, l'espèce de truc, là? Je sais pas si vous voyez... Enfin, je peux pas vous montrer avec le doigt, mais tout à gauche, il y a la lance qui donne l'impression de récolter. Ah, c'était ma lance, d'accord. Ah, je crois que pour moi, c'est les pires, les crânes. Je n'arrive pas à les gérer correctement, alors... Est-ce qu'on prend Poséidon? Je crois que Poséidon, ils sont pas mal les... Putain, mais... Je fais la victime expiatoire, J'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû faire toucher autant. Tu connais ton oncle Zeus maintenant, n'est-ce pas? Il faut que je te dise, mon frère, il a beaucoup de choses, beaucoup d'affaires qui l'occupent en temps normal. Mais de mon côté, j'aurai toujours du temps pour toi, mon neveu. Frappe marine, votre attaque est plus puissante et repousse vos ennemis.
Votre technique est plus puissante et repousse vos ennemis. Ah oui, non, mais ça, comme j'utilise beaucoup, ça m'intéresse pas mal. Ouais, ça. Je l'utilise beaucoup, alors évidemment. De crâne de merde. Oh là, les crânes. Ma nouvelle hantise. Y a rien là, non. Merde. Alors là, j'ai été d'une médiocrité affligeante. Ah, puis là, une autre barre de vie, là. Bon, pour l'instant, ils me foutent la paix. J'ai été médiocre. Poséidon est déjà passé devant. Mon vantard de frère s'entend encore moins bien que moi avec le seigneur Hadès. Laisse-moi donc ajouter une petite étincelle à ces tempêtes. Alors, est-ce qu'il y a une attaque avec le Y de... Non. Votre jauge divine se remplit plus vite lorsque vous infligez ou subissez des dégâts. Ok, votre attaque produit... Non, je vais prendre la jauge, là... Même si je ne me suis pas servi. D'abord, RT, je sais jamais quelle... Donc, c'est celle d'en bas. Ok. Je sais jamais quelle touche c'est. Chasse. Votre technique frappe jusqu'à 7 ennemis. Ses dégâts augmentent de 30% par ennemi touché. Ok. Maintenez enfoncé votre bouton d'attaque pour frapper rapidement. Vous ne pouvez plus effectuer de balayage. Maintenez enfoncé... Ah ouais. Non mais attends. Si c'est ce que je crois, c'est excellent. Ah non, c'est pas ce que je crois. Ah putain. C'est pas ce que je croyais. Allez, hop. Oui. Ah bah bien. Mais arrête de te foutre dans les pics. Il t'aime pas. Mais il était un âne. Et j'ai déjà eu le refus de la mort, oui. Oh putain. That did not go as planned. Bon, ça fait 3h15 que je joue sur ce jeu-là, je vais changer. Et tu t'es fait réduire en cendres par un de ces cristaux flottants là, un de ces dégalites. Et si tu t'écartais un peu la prochaine fois qu'ils essaient de te transformer en rôti avec leur rayon. Et arrête de te foutre de ma gueule, toi, ça va mal finir. Au sujet des armes scellées devant tes appartements, je ne pense pas que ton père se souciera de leur disparition. Elle lui rappelle un temps où il se tenait aux côtés de ses frères et sœurs.
Il ne veut plus rien avoir à faire avec cette époque. Je trouve ça plutôt approprié que tu aies hérité de leur pouvoir. Un pouvoir qui a eu raison des titans. C'est peut-être ce même pouvoir qui me permettra de sortir d'ici. Merci pour votre aide, Achille. Petite caresse. Bon, là, le père, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, comment ça s'est-il passé? Comment as-tu lamentablement trouvé la mort cette fois-ci? Cerber et moi, nous avons hâte d'écouter ton histoire. Dans ce cas, je t'épargnerai les détails. Comme tu voudras, de toute façon, il n'est pas difficile d'imaginer tes échecs tant ils sont fréquents. C'est presque comme si mon royaume avait été conçu pour te retenir ici, toi et toutes les âmes qui y résident. Mais je t'en prie, continue de t'acharner. Bon. Est-ce qu'il y a une rénovation qui peut être intéressante? Parce que j'ai 20 pièces là, 20. Permet de changer de souvenir entre deux régions. Ça m'intéresse pas pour le moment. D'abord parce que j'ai été une seule fois dans la région suivante, je crois. Réaliser les prophéties des mémoires et soyez récompensés. Ça peut m'intéresser éventuellement. Apparemment, il y a des... Ça peut être intéressant. Où est-ce que j'attends pour... Non, ça je le ferai... Ok. How about this, contractor? The fated list of minor prophecies. That sounds somewhat exciting, I suppose. You requisitioned that useless bit of parchment. Ah, donc il m'en a mis une autre là. Mais arrête la manette. Un objet qui déverrouille quelque chose dont vous pourriez vous passer. Bon, alors je crois que c'est pas ce que je pensais. Mais bon, tant pis. Non, j'ai pas d'échange à faire. Tu as maintenant rencontré la plupart de tes parents olympiens, mon enfant. Bien que le pouvoir de leur bienfait n'est qu'éphémère ici-bas, ils continueront de te venir en aide aussi longtemps que nécessaire. Ils croient encore que je compte les rejoindre sur l'Olympe. C'est pour ça qu'ils m'aident. Ils t'aident parce que tu es un membre de la famille, membre avec quelqu'un, membre avec qui ils n'ont pas encore un passé difficile. Plus pour longtemps, ce rythme-là. Ah. Ok. Ah, c'est bien ce que j'ai fait là. C'est bien d'avoir acheté ce truc là. C'est quoi le fils du dieu des morts s'échappe? Oh, bah ça, c'est pas demain la veille. A rencontré Seigneur Hadès, a rencontré Nyx, a rencontré Charon. Divine. Ah bah apparemment ça je peux le réclamer. La touche A. Voilà. Donc ça a pris en compte les trucs précédents. Ah, la 10 clés carrément là. Faudrait que je regarde, je fasse une liste de celles que j'ai eu et j'ai pas eu. Pour les avoir. Arme infernale. Donc les deux armes qui me manquent. Là j'en ai eu qu'une. Récompense. Plus de flèches. Bouclier du chaos. Qu'est-ce que... Ah ok, donc il est bientôt rempli le codex. Alors 61. Réflexe aiguisé. C'est un dash de plus, ça. Eh ben, c'est validé. Voilà. Feeling good.
It's never bedtime here. Ah bah, il me propose pas de dormir si tu veux pas dormir. C'est quoi, c'est un crâne de cyclope là? Je sais pas. Il a pas de nez en tout cas, ou il a tout petit nez. On peut pas faire un zoom, non? Can't do that here. Hey, something back there for you, pal. Ah, 8. Ok, donc là j'ai que 2 clés. D'accord. My keepsakes. Moi, c'est. Je crois que je vais arrêter là, mais. J'ai bien aimé ce. Je pense que je continuerai. Oui, enfin non, j'en suis sûr que je continuerai. Oui, oui, c'est. Oui, c'est certain que je continuerai. Tartarus, strong enough to seal away the Titans, but not me. Gods. Tiens, s'en équiper 20% de plus, oui. Je pense que c'est bien quand même de. Et qu'est-ce qu'elle. Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Stegus afin. C'est le nom de l'arme ou pas? Ah bah tiens, RT. Je vais voir si je peux pas les offrir, en offrir à d'autres. Le nectar. Je peux offrir. Est-ce qu'il y a Hadès? On peut pas, non. Lui, on peut pas. À Cerbère. Ah, je vais refiler un Cerbère. Regarde ce que j'ai trouvé, mon chien. Tandis que l'une des gueules de Cerbère recueille le cadeau du prince, une autre place quelque chose dans sa main. Nouveau souvenir, vieux collier à pointe. Ok. Fais voir ce que c'est. Alors, c'est où? Ah oui, c'est là-bas. Let's see what that one does. Obtenez 25 points de vie de la part de Cerbère. All set. Ah bah ça c'est intéressant. Ah ouais, bah j'ai eu raison de le furguer à. Au cabot. This is probably cleaning the rafters. Là. Les tonneaux de vin anciens cachés dans les recoins de la maison du seigneur Hadès. Rares sont ceux qui ont consommé leur contenu enivrant. Et plus rares encore sont ceux qui sont autorisés à s'en approcher. Oui, ça m'intéresse bien les points de. Ça va me permettre de progresser plus vite. Et Hypnos, est-ce qu'il veut du. Ouais. Ouais, ok. Allez. Tant pis. Hein. Surprise, Hypnos. Surprise, Hypnos, je t'ai trouvé ça. Waouh, 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 mais tu peux pas me ramener ça ici. Ah ah, je rigole, merci. Tiens, attends, je te l'échange. Bon, j'irai voir après. Hein, le. Porte-monnaie Knetonien. Est-ce que. Eh bah oui, on va le donner à Achille, l'autre. Hey Achilles. Hey Achille, écoutez, ce n'est pas vraiment pas grand chose, mais tenez. C'est pour moi? Tu m'as devancé, car je comptais te donner ceci à notre prochaine rencontre. Je t'en prie, prends le don. Ah bah si j'avais su, je te l'aurais pas donné. Hein. Brassard de Myrmidon. Alors le Myrmidon, il y a un.
Il y a un type de gladiateur qui s'appelle le Myrmidon, mais je me rappelais pas que c'était avec un Y. Alors, résister 20% de dégâts de face, mais subissez 10% de dégâts de dos en plus. Oh bah non, ça m'intéresse pas. Porte-monnaie, recevez 100 pièces à dépenser comme bon vous semble une fois par tentative d'évasion. Ouais. C'est pas top, hein. Est-ce qu'il me les donne là? Non, il faut. Non, on peut pas gruger. Non. Bah pour l'instant, je vais m'amuser avec le truc de Cerbère parce que comme ça me fait de la vie en plus, eh ben je pourrais durer plus longtemps dans les dans le. Bon, on va appeler ça donjon, hein, et donc progresser plus vite. Tout simplement. Bah, c'est comme le refus de la mort m'a permis d'aller plus loin. De battre des boss ou des mini-boss, ou ce que moi je pense être des mini-boss, alors que sinon je serais mort comme une merde. Bon. Ben, sur ce, je vais arrêter de... Je vais arrêter de jouer à Hades, mais je vais reprendre autre chose. Enfin, de toute façon, je m'en... tout le monde s'en fout, puisque personne ne regarde. Donc, ok. Oui. Ah, c'est pas mal comme jeu quand même. J'avais peur de pas pouvoir diriger, mais finalement j'y arrive. Allez, hop.